Ok, donc sans aucune forme de pitié, il est 7h34 du matin. C'est un peu Noël pour moi. J'ai pas beaucoup dormi. Parce que c'était la nuit de la sortie de Starfield, les gars. Donc sans aucune forme de pitié, on va faire comme ce que j'ai dit sur mes réseaux sociaux. Je vais streamer absolument toute mon expérience, absolument tout. Je me suis permis de le lancer pour paramétrer un petit peu les graphismes, les touches, etc. Les gars. Je pense que on est parti sur un truc colossal. Je pense que je ne mettrai pas la cam en permanence. Je pense que des fois je lancerai le live. Il y aura la cam, il n'y aura pas la cam. Je parlerai avec le micro ouvert, je parlerai pas avec le micro ouvert. S'il te plaît, la caméra là justement, arrête pas de faire des dézooms de merde. Donc sans aucune autre forme de pitié, c'est parti, épisode 1. Starfield, nous sommes le 1er septembre 2023. An de grâce de la sortie de Starfield. Et je viens de lancer le jeu. Qui devrait bientôt apparaître à l'écran. Le petit logo Bethesda. Tout d'aubaine. Waouh. Ça fait au moins... Diplôme quand on attend ce jeu. Allez, c'est parti. Donc ouais, j'avais créé une partie, du coup, on va pas la continuer, on va faire un nouveau. Hein. Je vérifie juste si ça a gardé mes paramètres. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. On est en ultra. On utilise le FSR. Et une nouvelle partie, les copains. Bethesda Game Studio Presents. Highly interactive experience in space. 16 times the details. Starfield. Mai 2330. Le 7 mai 2330. Site minier d'Argos Extractors, lune de Vectera. Hey, salut Payeur! Non, c'est mort! GG pour l'IR, ouais. Entièrement d'accord. Ah ouais? Ah merde! C'est pas grave. Je vais gérer ça, t'inquiète. Il y a les sous-titres, tout va bien. Y a juste un peu de space music. Tout va bien. Et le bruit de l'ascenseur qui descend. Je pense que là, je vais pouvoir bouger. Ouais, c'est bon. Allez hop! Le son du jeu. Alors oui, c'est tout simplement moi qui ai zappé de l'intégrer en fait dans mes... Hop, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ouais, non mais t'inquiète, hein.
Normalement, tu devrais entendre le son du jeu. Ouais, c'est bon, je le vois. Nickel. Merci beaucoup, Fire. Mais je vais en profiter pour enlever la cam, tiens. Parce que mine de rien, la cam. Je sais pas en vrai si je l'enlève ou pas. J'ai peur que ça sorte le viewer de l'action. Et si j'ai envie de jouer sans la caméra, un jour ou l'autre, ça va me gaver. Mais tu sais quoi, je vais la laisser pour l'instant. Je vais la laisser pour l'instant. Oui, j'en profite du coup d'avoir fait cette petite pause bizarre là, mais GG pour l'hier, mec. Mais Fire, c'est grâce à toi qu'on passe tous ces trucs, hein. Exceptionnel. Merci encore pour ce RL de qualité. Alors. Okay. Oh, il y a un truc qui me gêne. Affiche... Tant qu'on y est, hein, on est sur un jeu Bethesda. 70%, ce sera mieux, je pense. How are we on time? A little longer. Grab some samples. Always. But not you. Check on Isabelle. Make sure she eases up on the breach. I don't T'as feel bien like le son, on est very d'accord, alive today. Roger that. Remember, Dusty. Keep your breathing steady. And never Yes, take that helmet off t'inquiète. down here. Oxygen processes don't extend this far. Yeah. Personne n'est plus not légitime que toi. We drill on a rock with breathable atmosphere. You know what I love about working in Freestyle Collective space? Fewer regs. A job like this in the United Colonies? Huh. The red tape. Look at this one over here. Calvert! No! Ah, no, no, no! It's a laser, not a sledgehammer! Ease up! Benning, if you got paid per break, you'd be a millionaire! Let's go! Yeah, yeah, okay. Brawler! You make your cut, you get your cut. No exceptions. Come on, pick it up! Troy, what's the yield? Minimal at this point. Je le pense. Occasional glimmer. T'es vraiment le mec le plus à même de nous aider là-dessus. What do you think? Stay the course? No, ma'am. Juice ain't worth the squeeze. Well, okay then. Let's call this one tapped. On est à 60 images secondes, toi, bien. Yes, ma'am. Donc on commence, on est mineur. Quel des comportements de PNJ Bethesda, ça fait plaisir à voir. Ça fait vraiment plaisir à voir. Dusty, you're up. Grab a cutter and mine what you can. Ok, c'est à moi. Metal deposits are in that cabin. I'll shout Découpeuse. Let's go, hein. On va travailler. You think we'll be done here soon? When you live 16 tons, what do you get? Des petits cailloux. Super. I'm busy. Is there anyone else to bother? Ta gueule! Déjà le mec il est désagréable. You're ready, boss. Get la sensibilité elle fait pas semblant, hein. Et salut Yua! Je pense à toi, hein. Bon courage pour le taf et il me tarde de savoir quelles sont tes impressions sur Starfield. Ouais c'est ça, c'est un farming névrosé, ça commence, t'es déjà en train de casser des cailloux quoi. C'est parfait. Ah yes. I don't. You don't? What we're after? It'll read as an anomaly. That's what I was told anyway. Okay, now you're starting to freak me out. Relax. It's just another job. Come on. Franchement, les textures sont stylées. I think. Pour l'instant, yeah, everything is just... Lynn, seriously, there's something really effed up about this. Where is it, Hella? Through there, I think.
Okay, you, you're up. Something goes wrong in there, we'll come get you. Okay. Why would anything go wrong? Would you shut up? Both of you, do your jobs. Client is on his way. Putain, même les animations et tout. On est vraiment chez Bethesda, les personnages ils nous regardent de la même manière et tout. Franchement, c'est à la fois nouveau et un terrain connu, et j'adore. Ah, énorme, énorme, Leo. Ah, tu dois être bien éclaté, par contre. Si t'as joué à des ordres, non ? Je vois des cailloux. Bon, j'ai compris, c'est ici. Oh ! Des ex. Oh ! Ah, les effets sont cool. Ça a l'air de tourner très correctement. J'étais à plus de 60 fps, bien stable là, en ultra. Come on, come on. On verra dans les mondes ouverts. Okay, take it easy. Et dans les villes. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Allez, on va pouvoir passer 1000 ans à créer un personnage. Alors, heureusement, j'ai regardé un petit peu quel était le système de création de perso et je sais déjà ce que je vais faire pour pas que ça mette à peu près 8 millions d'années. Du coup, je crois que j'avais choisi le 37. Ah, c'est ça. Le 37, encore un peu plus mince et athlétique. Là, on est pas mal. Voilà, type de corps 1, démarche 1. Il est pas pâle au point d'être verdâtre. Hop là. Donc là, pour le coup, on est pas mal. Et là, en fait, c'est là où c'était compliqué. Et du coup, j'ai touché au petit truc. Alors, on va faire. C'est 1, 2. 2 aussi. Évidemment, on va faire un personnage qui me ressemble vaguement. Hein. Sinon, c'est pas drôle. Là, j'avais trouvé un truc plus rigolo. C'était 18. La couleur, elle change pas. Ça, c'était 12. Non, pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça devait être 11. De toute façon, on va refaire les choses, hein, de toute manière. Hop là. Alors, la création de perso, elle a l'air assez... Comment dire ? Elle est simple, mais en même temps, elle est bien foutue. C'est-à-dire qu'on peut vraiment faire ce qu'on veut. En tout cas, c'est la sensation que j'ai. Ouais, ces yeux-là sont pas trop mal. Ceux-là aussi. La couleur des yeux, c'est bon. Les sourcils, ça m'a l'air correct. Ça, c'est mieux. Après, on retouchera aux petits trucs à bouger dans tous les sens, là. Le front. Attends. 11, 11. Sourcils 9. Couleur des sourcils 12.
Donc là, c'était le front 5. Et franchement, je suis un génie. Je suis un génie d'avoir mis les petits pointeurs à chaque fois, quoi. Bon, ben, on va le bouger de suite. Un peu plus en avant. Un poil plus large. Le nez, normalement, c'est le 9e. Mais je l'ai fait plus bas, plus long et plus large. Là, on va mettre ça en haut. Les oreilles, c'est 8. Et 8, putain, je vais aller chercher loin. Les joues, j'ai pas touché, je crois, parce que. En fait, ça détermine surtout si t'as des pommettes hautes ou pas. Et comme ça, c'est pas mal. Comme ça, c'est pas mal. La bouche, c'était une galère. Hein, globalement, c'était une galère. On va mettre celle-là parce qu'elle est rigolote, j'aime bien. Hop, attention, bas. Un peu plus bas, parce que sinon on dirait qu'il a le nez trop près de la bouche. Du coup, ça va nous permettre de descendre un petit peu plus le nez encore. Ça lui allonge un peu le visage, c'est pas mal. Les dents, on a mis les deux parce que je bois beaucoup de café. La mâchoire, j'ai mis la cinquième. Parce qu'elle est plus ronde. Un poil plus étroite. Un poil plus basse. Un poil en avant. Le menton. C'est le 5. Ah, quoique, c'est pas terrible. C'est ma genre de giga chat que tu peux leur faire. En fait, non, le menton de base est pas mal. Le cou, je pense que j'avais bien avec une pomme d'Adam marquée. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Et les bijoux, j'en ai pas mis. Les couleurs des bijoux, j'en ai pas mis. La derme esthétique, je crois que j'avais mis. Voilà, qui a un peu de texture. Couleur de la peau, alors là, c'est vraiment le teint que tu donnes à ton perso. Les défauts de peau, j'en avais pas mis. Les cicatrices, j'en avais trouvé une stylée sur le pif. Pour que ce soit un petit peu représentatif. Vu que moi-même, j'ai une sale cicatrice sur le pif. Allez, pampe faciale, là j'avais mis deux, c'est pour avoir quelques cernes. J'aimais bien. On peut diminuer un peu l'intensité. Voilà. Pas de tatouage. Qu'est-ce que c'est ça, je joue? Ah oui, ça c'est pour mettre des couleurs ou des trucs comme ça. C'est une espèce de fard. Rouge à lèvres, crayon des yeux, crasse. Je crois qu'on est pas mal en vrai. On est pas mal. Si, alors la bouche, on va la descendre un petit peu. Enfin, je crois que j'aurais fait ça, mais honnêtement, c'est la création de perso la plus rapide que j'ai jamais faite, je crois. On va un petit peu l'augmenter. Il va avoir une grande gueule. Et l'alignement dentaire. Il faut une mâchoire de Schwarzenegger. Franchement, il est pas mal là. Il est pas mal. On va enlever la pilosité faciale. Eh, on est sur un truc pas dégueulasse. Allez, on va remettre un petit peu la barbe. Alors, par contre, celle-là, elle est plus longue ou c'est comment que ça se passe? Elle est plus drue. Mais plus basse. Voilà. Celle-là, c'est vraiment celle de Mexicain. C'est parfait. C'est ressemblant. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Et alors là, alors ça, j'y réfléchis. Ça fait des mois que.
Ça fait des mois que j'y réfléchis. Je pense que maintenant, vu qu'il n'y a plus de toi, ailleurs, on va enlever la caméra. Hop, la cam, elle dégage. Alors. On va mettre... Et franchement, je l'ai difficile. On va mettre soldat. Mais j'hésitais avec service de sécurité. Mais je pense que soldat, c'est mieux. Et dans les traits... Et alors là, les traits, par contre, ça c'est... Mais alors, mais de suite imposés à moi. Les traits, on va... Putain, franchement, je l'ai bien réussi. Je trouve qu'il est cool. On va mettre adulation héroïque parce que j'ai trop envie d'avoir le trou du cul qui nous suit. Avis de recherche parce que je trouve ça trop stylé. Et cocon familial parce que ça a l'air génial. Et on est bon. Finir. On va l'appeler Lex Starbat. Lex Starbat. Oh là là, putain, mais qu'est-ce qu'on fait pas? Ou alors mieux que ça. Voilà, ça fait bien nom du futur, je trouve. C'est pas mal. On peut changer les pronoms. Bon, là, on va pas changer, c'est bien. Il est lui. Nom du personnage, on est bon. Et en fait, c'est mon nom dans le futur, c'est rigolo. Allez, confirmé. You were a good find when we hired you. Former military always knows how to get the job done. Well, you got the sample. Client's on his way. Then we all get paid. You remember anything that happened? Il y avait cette lumière et de la musique. Huh. Well, you passed out, that's for sure. Everything else, probably just your brain playing tricks. Either way, we got what we were looking for. All this trouble for that stupid thing? Huh. Sure don't look like much. Never mind what it looks like. It's worth more than this mine has pulled in all month. We'll be... Speak of the devil. Ok, c'est super beau. C'est super beau, mais ça galère un peu là. Je suis à 40 FPS. Our constellation contact is on approach. Wait, the explosion. Hop, on va aller voir un petit peu. Oh, il y a le mode photo. Et du coup, je devrais pouvoir. Ah, yes. Kind of a joke. Not a joke. You're just too young to know better. On est vraiment sur un jeu Bethesda. I'm just saying they got a reputation. Hell, I bet half the crew here doesn't even. Bon, par contre, clairement, j'ai été trop gourmand. Je sais pas ce que je peux gérer. Oui, alors déjà, la netteté, je la trouvais presque trop, trop violente, là. Je sais pas si ça a changé grand chose. Une petite sauvegarde aussi. The crew doesn't believe Earth exists, but it's still there. Same with Constellation. Yeah, but come on. Exploring space? Who does that anymore? Whoa, ain't the space you don't we've look already good. Got complicated enough? Not to them, apparently. Alright, Dusty. Airlock. Put your helmet on. Alors, tab pour ouvrir le menu des données. Donc on a notre bonne tête de Mexicain, là. C'est exceptionnel. La découpeuse, un petit pas, équiper un casque. Ok, donc ça c'est le truc des missions, ok, il y a une carte, visiblement, on peut mettre le cap. C'est pas intéressant. Comment on met un casque, du coup? Carte stellaire, compétences, inventaire. C'est quoi, ça? Ça, on sait pas. Inventaire, j'imagine, de toute façon. On a la combinaison... Le casque, c'est parti. On a équipé le casque. On va prendre en main tout ça, hein. C'est pas... Pas forcément aisé. Alors là, ils ont vraiment récupéré l'ambiance Fallout, je trouve.
On est sur un jeu Bethesda, hein. Alors là c'est incontestable. Par contre je trouve que les animations sont mille fois mieux qu'à l'habituel. C'est non franchement ouais, c'est qualitatif. On va se permettre un petit changement de graphisme. Ce qui fait tant de bordel. Barrett? Man! Been a long time. Yes, it has. That mine on Bendy, right? Kazal, hellhole, like this place. Rare mineral contract. Your tastes are a bit more sophisticated now, huh? So, you found something? Right here. The new guy found it. What new guy? And everything went cool? Just like grabbing those minerals on Bendy? Kazal. And no, Barrett. Not cool. He passed out after the extraction. Woke up saying all kinds of nonsense. Is that right, cowboy? Went on a trip, huh? Comment est-ce que vous savez? Well, you could say that the infinite possibilities of the universe are full of everything but coincidences. D'accord, bon, en tout cas, on peut le dire. That fun, huh? Not the most gentle push into the great mysteries of space, but hey, been there. Look, just hand over the credits, and I'll be happy to never see this thing. Or you won't ever again. That's why I like you, Lynn. All business. Barrett, the scanners on the frontier are reporting a ship coming in hot from orbit. I really thought I lost them. Barrett? Hey, that's the crimson fleet! Everybody get ready! Un flingue, vite! J'ai pris un flingue, aidez-moi à le mettre, s'il vous plaît. Inventaire. Je veux ça, voilà. Pourquoi je suis à zéro? Ok, je suis un idiot. Ok. Voilà. Let's go! Ça commence mal. Tout va bien. On va essayer de garder quelques couvertures. Ok. Surprise. On voit tout en vrai. On va fouiller ces pirates à la con. Allô? En même temps, c'est sûr qu'il n'y a rien là. Est-ce qu'on peut l'attraper? Oui! Oh putain, c'est un Elder Scroll. Oh oui! Bon, bah, c'était plutôt dynamique. Hache de sauvetage, plutôt cool. Ah merde, c'est un de nos potes ça. Ah, fait chier. Donc le Maelstrom, c'est une arme, ok. On va prendre. Maintenir pour équiper. Freddy. Ouais, non, mais attends, quitte à ce qu'il y ait des gens qui meurent, autant les fouiller. Coupe de soins.
Oh oui. Ah, ça fait du bien, un peu de soin. Bon, visiblement, vu le... Vu l'intérêt... vu l'écart, le faible écart qu'il y a de qualité, enfin de FPS avec la qualité, on va laisser le truc en ultra, ça ira très bien. Ça, je sais pas ce que c'est. Permet un rendu avec différents niveaux d'ombre. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas ça comme paramètre. Ensuite, franchement, on verra bien s'il y a des trucs à paramétrer parce que. On fera ça sur le tas. Hop, petite sauvegarde rapide. De toute façon, globalement, là, on est vraiment sur une lune de mon fion. On va plier tout. En plus, voilà, je risquais pas de merder en prenant des objets, là. Et en plus, il y a leur vaisseau. Ils ont laissé leur vaisseau, non? Et le mode moto, ça donne quoi? Y a une touche pour le mode moto? Je crois que oui. Je découvre, mesdames et messieurs, je découvre. Ok. Hop là. Je ramasse tout ce que je peux. Ah, c'est un classique, très bien. We appear to have suffered fewer casualties than would be expected. Effectivement. Du coup, c'est toi qui es responsable. Hey, you did good there. Kept your head. J'ai pris quelques balles dans le fion, mais ça va. Bon, et du coup, t'as quoi raconter, toi? Now that was some fine work on the pressure. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions. You're coming with me to Constellation. You're part of this now. Nice. si vous comptez m'emmener loin de cette maudite lune, je vous suis. Nothing wrong with honest work. Although, yeah, yes. See your point. Oh no, Barrett. No. You think you're just going to take off after the mess you caused? All right. I guess I did just put you all on the Crimson Fleet hit list. How about I stay and I send your Dusty here in my place? I know, but he's not some miner anymore, Lynn. Soon as he touched that rock, les expressions sont incroyables. Don't tell me you can't feel it. Fine. It's a deal. Get out of here, Dusty. You're on to bigger things. Et la mine, vous avez pas besoin de moi. Le mec qui veut rester sur son 5-18. Now that we've been attacked, oh, we've got to pack up and move on. Argos will come for the rest of us. Okay. You get going. Merci pour tout. Just go. Before I say something I regret. Well, none of that's settled. Vasco, get him to the lodge. No deviations unless absolutely necessary, okay? Protocol Indigo. Indigo? Again. Very well. Oh, and hey, take this. You'll find it very useful out there. And it even tells the time. Une montre! Merci bien! Merci bien! Elle est jolie. Hey, la petite Rolex, hein? The watch fits you perfectly. Now. Questions? Attends, tu me donnes ton vaisseau? Technically, it's not even mine. Consider it alone. Vasco will keep you on course. Besides, I'm making an exception, since you can tell Constellation about that vision you had. Ok, bon, logique, hein, que ce soit pas moi plutôt que lui, et que ce soit pas lui plutôt que moi, puisque c'est moi qui ai eu les visions. Sur quoi on a mis la main? That, my friend, is the million credit question. And Constellation can find the answer. With your help. Ok.
Et pourquoi elle vous poursuivait, la flotte écarlate? They're just following the loot, like pirates do. And I have something of a reputation as a loot collector. Ok. Et sinon, Constellation, c'est quoi exactement? See, that's the problem with the settled systems. Too easy to take everything for granted. While everyone else is busy playing politics, we're the ones braving the unknown, charting the vastness of space. Without us, the galaxy is just a big room with the lights turned out. Ok. Bon, on va lui poser la dernière question. Quoique non, on peut quitter. And Vasco, don't let him break my ship. Ok. C'est juste le temps de s'y faire, en fait. Vas-y, je vais enlever le FSR, parce qu'au final... On va faire une vraie sauvegarde. Ouais. Avec et sans le FSR, c'est pareil. C'est pareil, mais on sent quand même une petite... quand même une petite différence. Je me demande si c'est pas les ombres et tout qui font vraiment une énorme différence, etc. Et l'échelle de résolution, putain, 100%, c'est bizarre. Ah, mais d'accord. Je comprends mieux. Si je fais ultra... Attends, si je fais ça... Je crois que je sais pourquoi ça merdait. Ok! On va le laisser stabiliser un petit peu. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Putain, mais alors le fait qu'on puisse faire ça, mais c'est goldé, les gars. Les bandes sont l'air géniales. Hey, I don't know how you kept your cool back there. J'ai joué à Skyrim pendant des années. Get that artifact to Constellation. Bon, je suis désolé, j'ai envie de perdre du temps. C'est génial, on va pouvoir devenir un énorme sac poubelle plein de merde, comme dans tous les jeux Bethesda. Ça, c'est un véritable bonheur. Les pirates, Tipiak, ok. Il va falloir que j'essaie de comprendre comment fonctionne bien l'inventaire aussi. Buzz déchireur. Je vais voir un petit peu. Alors, je sais pas tout ça, mais normalement, il devrait y avoir moyen de changer les armes, etc. Ça, déjà, j'ai trouvé. Donc, oui, c'est logique. Inventaire. Les armes, en gros, à mon avis, il faut mettre des favoris. Voilà. Et les favoris, c'est comme ça que ça fonctionne. La hache de sauvetage dans ce stylet de ouf. Favori, on va le mettre là. Ça a l'air ultra stylé, mais la hache de sauvetage, elle est cool aussi, donc on va la mettre. Tac. Et pas mal. Et ensuite, j'ai vu qu'il y avait d'autres combinaisons. Du coup, j'ai chopé une autre. Et le casque, vite, mets le casque. Oh, le casque! Oh, le casque de pirate! Là, on a l'air con. Là, on a l'air stylé. Donc, au moment où j'ai enlevé le truc, mais il a failli crever, mon perso, ok. C'est stylé de ouf. Hein. Tenue fonctionnelle. Ah, mais d'accord. C'était ça, en fait. Tenue de mineur. Vol de service. Et Argus Extractors. Ok, donc c'est un uniforme et des trucs comme ça. Ok, j'apprends, les gars. J'apprends. Bon, en vrai, le casque de pirate, il colle pas vraiment à l'idée que je me fais du personnage pour l'instant, donc on verra bien. Ok, bah ça fonctionne. Fais voir un petit peu. Pourquoi ça veut pas ouvrir les armes, ok. Ok.
Ça, d'accord, ok. Donc ça, c'est les arbres de compétences. On verra ça plus tard. Pourquoi intégrité de la combinaison? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, mais d'accord. C'était juste un truc pour m'avertir. Alors, on peut pas reculer la caméra de manière complètement stupide. Ok, on peut juste la reculer jusque là. Il y a trois positions, en fait. Ok. Et ça, c'est pour boxer. Ça, j'adore. Ça, j'adore. Par contre, est-ce que ça marche? Désolé, hein. Encore une fois, j'apprends. Si je mets rien, par exemple, là, si... En fait, admettons, je tiens la hache. Et je fais une autre touche où il n'y a rien dedans. Et non, il ne l'enlève pas. Comment on fait pour déséquiper, en fait? Ou pour mettre les... Ok, on peut parer. Ok. Si, en fait, par exemple, je veux mettre le fait d'avoir rien dans les mains en fabrique. On a l'artefact sur soi. Bon, j'ai ramassé du spatio-scotch. Tout va bien. Bon, on va découvrir ça au fur et à mesure. Hein. S'il suffit d'enlever quelque chose pour pouvoir le faire, on verra. Allez, Vasco. It appears you are the new captain of the frontier. Eh ouais. Wow. Bon, globalement, c'est sublime, les gars. Globalement, c'est sublime. C'est sublime, en fait. L'équipe de soins. Et on monte à bord du frontière. Captain, I assume you know how to fly a Class A starship. As Barrett likes to say, it's as easy as learning to ride a bike. Sandwich! I will attempt to boost the shields, just in case there are any difficulties. On peut s'asseoir. Putain, mais c'est trop bien, les gars, c'est trop bien. Est-ce que... Bon, c'est pas, on va rester en combinaison. De toute façon, on va apprendre des choses sur le tas. Exceptionnel. Ok. Siège de pilote. Shields ready. The rest is up to you. Ok. Ok, ok. Donc, c'est parti. Décoller, s'il vous plaît. Bip, boum, 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 boum. On est dans le cosmos. Oh oui. Oh, ce magnifique JPEG de l'espace. We are in orbit. It might be wise to test all controls and systems to ensure they are not on the verge of catastrophic failure. I can step you through the entire process, or if you're already an experienced pilot, just power up all the systems and we'll be on our way. Alors, je vais juste... J'y avais pas pensé, on va juste enlever le chat là. Hop là, voilà, ce sera mille fois mieux. On va faire une petite sauvegarde. Alors, maintenez Alt gauche et utilisez ZQSD pour passer d'un système à l'autre et allouer de la puissance. Ok. Ok. Ok, c'est du génie. Ok, j'avais très très peur de ce truc.
Genre là, par exemple, si je veux enlever du balistique, que les coups dans le moteur, c'est du génie. Ok, c'est un régal. Draw your attention to the HUD. You'll notice a speed indicator in the lower left with a gauge that goes up and down as you adjust the throttle. Try to center the gauge so that it lines up with the center of the vertical bars to its right. La vitesse du vaisseau? Boosts can be engaged or temporary bursts of speed. Ok, d'accord. Ok, je vois. Par contre, c'est là que je me rends compte en fait. Et oui, non, mais c'est un jeu Bethesda, les gars. Je vais faire que ça en permanence. Jouabilité, non. Interface. Déjà, ça passe à 80. Et en fait, j'aurais voulu. J'aurais voulu diminuer la luminosité, mais bon, c'est pas grave. C'est bon, pas grave ça. Let's turn our attention to the shields. Try adjusting power to the shields. Notice more power increases their strength. Shields protect the ship from hull damage. Without a hull, they'll be vaporized. Shield health is displayed in the lower right. Honnêtement, j'ai jamais joué à un jeu spatial où la simplicité de l'action là, comme dans. Comment on appelle ça dans ce petit jeu qui était en 2D c'est génial. Oh putain de merde. On va enlever un peu du moteur. On va enlever trois moteurs, mettre un balistique. If you can keep the enemy ship centered on the HUD, we can lock in to fire a homing missile. The enemy shields are down, Captain. Ballistic weaponry excels at damaging the hull once shields are offline. Jamais trop tôt. Ok, donc on fait E pour piller. Ok, donc on fait comme ça. Plaquette de semi-métal, très bien. Ok, ok. Ok, c'est du génie. Globalement, ce jeu, c'est du génie. Très bien. Très bien, très bien. Ouais mec, franchement ouais. Oh putain. Ok, on peut scier les ennemis, ok. Ça fait un petit moment que j'ai commencé, c'est juste du génie. Ok donc. Qui me colle. Attends un peu toi. Ah, il reprend vachement vite son. Je vais te fumer. Ok.
idée. Ok, le système de tir est vraiment bien foutu aussi. Ouais, il est un peu relou là. Après, il y en avait deux. Il a décédé. Fait, c'est pas du tout qu'il est indestructible, mais c'est qu'en gros, si tu veux, tu vois le petit menu qui est en bas à gauche, tu peux gérer la puissance que tu donnes à certaines parties spécifiques de ton vaisseau. Et je trouve ça mais vraiment trop bien pensé. En fait, tu vois, tu fais alt là, et je peux mettre plus de puissance dans les armes ou plus de puissance dans tel ou tel truc. Enfin, je trouve ça incroyable. Et je peux complètement l'arrêter. En fait, c'est à la fois ultra facile, ultra simple, et je sais pas comment dire, mais c'est trop bien pensé, franchement, c'est un régal. Et coucou Jérémy, j'avais pas vu que t'avais pop. Non, franchement, c'est ouf. C'est ouf. Fais voir un petit peu, donc après, ouais, il y a la vision du cockpit, ok. C'est quoi pour réparer? C'est haut. Ok, d'accord. D'accord. Ok, donc là, on est bien. Et si je fais ça, ok, je peux sortir dans mon vaisseau et tout va bien, ok. Ah, la pince hydraulique. Ah, mais tu peux vraiment tout attraper, tout existe vraiment en fait. Non, franchement, c'est du... C'est un jeu Bethesda, quoi, on est dans un jeu Bethesda, c'est Skyrim. Oh, je suis tout seul là dans le vaisseau, c'est bizarre. C'est, après voilà, c'est encore des jeux à prendre en main quoi, c'est... il doit être dans la soute Vasco en fait. Parce que là, à mon avis, il n'y a pas suffisamment de place. Voilà, c'est mes petits vaisseaux. C'est deux couchettes et c'est tout quoi. Une casquette chunks. Un truc pété. Kit de soins, on prend. Il y a des tablettes personnelles de Barrett dans tous les sens. Un avion en papier. Alors voyons voir. Voyons voir. Vaisseau, ah, donc c'est ce menu-là. Ok. Stylé de ouf. Et comment on fait pour aller dans les missions? Genre, voir un peu où on en est. Alors, je vois qu'il y a R, mettre le cap. Et ça, c'est ce que m'a dit Vasco. Planifiez votre itinéraire en fonction du système planétaire où vous souhaitez vous rendre. Votre vaisseau n'est capable de parcourir qu'un certain nombre d'années-lumière à la fois. Pour atteindre les systèmes planétaires les plus éloignés, vous devrez peut-être faire une étape dans un système plus proche. Ok. Ok. Bon, c'est pas encore... je suis pas encore à l'aise. Je suis pas encore à l'aise avec vous. En fait, il faudrait un menu de mission, quoi. Carte stellaire. Ah, mais c'est sûrement la carte stellaire, alors. Mission, bah oui, c'est ça. Donc, un petit paparazzi veut que j'apporte l'artefact. Ok. Divers mission, mais alors, du coup, c'est pas du tout ce que Vasco me demande. Rendez-vous sur Crete. Si, c'était ça. Ok, très bien. Eh ben, allons-y.
J'aime beaucoup les menus, hein. C'est à la fois très, très épuré, très. Là, je suis du flat. C'est merveilleux. Est-ce qu'on peut sortir du. Est-ce qu'on peut faire des trucs stupides? C'est ça. Station de recherche. Oh. Oh, c'est Warframe. Très bien. On peut modifier les armes de A à Z. Oh putain, c'est génial. Et voir un petit peu les armes là. Nice, putain, c'est ouf. Ok. Bon. Ah, c'est parti. C'est pas du tout ça, c'est ça. Alors, on est sur cette sur Vectera, le site minier, machin truc. Nous, ce qu'on veut, c'est aller sur ce truc. Donc, on va mettre le cap sur Crit. Donc, oui. Crit, c'est là. Il y a un labo de recherche, on doit se rendre sur Crit et on va y aller. Cette lune se trouve déjà sur votre trajectoire. Non, 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 on va y aller en fait, hein, on va y aller. Ok, voyager, d'accord. Facility with our Crimson Fleet captain is on the surface. Ok. La vue planétaire de la carte stellaire vous donne des informations sur votre environnement, vous permet de scanner la planète à la recherche de ressources et de découvrir les sites d'atterrissage principaux. Faites tourner la planète jusqu'à ce que l'icône laboratoire de recherche Crit apparaisse, puis sélectionnez-la pour atterrir à proximité. Ok, donc c'était là. Atterrir. Petit temps de chargement. Donc ouais, alors, moi, ce que j'ai vu comme détail un peu négatif sur le jeu, c'est qu'il y avait beaucoup de temps de chargement. C'est un jeu Bethesda, les gars. Ah, on peut direct sortir? Nice. Ah oui, ça fait un petit temps de chargement et au lieu de passer directement par la soute, on sort directement. Ok, c'est joli ici. Et on est à énormément de FPS par rapport à tout à l'heure, c'est très bizarre. Ok. Il y a des bestioles! According to the scanners, the abandoned research facility is in this direction. Ok, qu'est-ce que t'as à dire d'ailleurs, le robot? Protocol Indigo dictates that I am to return to the lodge with no deviations. We are here to stop the Crimson Fleet from pursuing. Ok, d'accord, il m'a fait un petit rappel de ce qu'il y avait à faire. Il est vraiment trop classe, Vasco. Le vaisseau, il a vraiment de la gueule une fois posé. Non, franchement, c'est, trop bien. C'est vraiment trop bien. Moi, là, je découvre des créatures, je les grille. C'est comme ça. C'était sûrement une créature pacifique, mais... Nutriments. Eh ben voilà, non, on a de quoi bouffer. Oh, oh la gravité. Attends. Ok, bon. Très clairement, il y a un bâtiment là-bas, mais je suis pas sûr que ce soit ce que je cherche. À mon avis, c'est ce qu'il y a juste devant. Be careful, Captain. Alien creatures are often unpredictable. Donc ça, c'était le fameux scanner, d'accord. Euh...
structure. Ça là-bas, ça donne quoi? Ça, on le voit pas, ok. On peut activer le mode photo directement depuis ici, ça c'est trop cool. Ok. Donc c'était F. Hein. Pourquoi il sort le truc de minerai? Ah, mais d'accord, oui, parce qu'en fait, il voit qu'il y a des... Il voit qu'il y a du minerai, en fait, ok. Du fer. On va tout miner, après, hein. Ça a l'air d'être... C'est pas No Man's Sky non plus, quoi. Ça a pas l'air d'être aussi central. Du coup, en fait, quand on se balade avec le curseur sur les machins... C'est quoi? C'est quoi le truc vert? Du fer aussi, ok. J'adore le fer. Donc, en fait, et après, le scanner nous permet de... Ça a l'air compliqué leur truc là-bas. Je comprends pas ce qui se passe en haut à droite. Du plomb. D'accord, donc ça nous donne quelques informations. Ça, ça nous montre un peu le vaisseau. Ok, donc en fait on peut scanner des trucs. S'il y avait les petites créatures, en fait c'est ça que je voulais tester. On va remonter un petit peu là où il y avait les espèces de linules bizarres là. Tracker de crit. Oh merde! Au secours! Bethesda Game Studio. Saloperie d'extraterrestre. Voilà. Saloperie d'extraterrestre. Je veux retrouver cette saloperie, attendez. Gisement de fer encore. De la fibre et du tissu sur cette bestiole. D'accord. Tubercule poudreux. Alors non, ce que je fais là, ça sert à rien globalement. Et est-ce que je peux le scanner? Est-ce que ça... Ah, d'accord, ouais, donc faut quand même que je me rapproche pour pouvoir le faire, ok. Là par exemple, si je trouve un autre truc de ce style, ok, je commence à comprendre. Ok, bon, par contre, on a peut-être pas que ça à foutre. Clairement, on doit tuer un chef pirate du cul. Déjà, je suis curieux de savoir si on peut les surprendre. J'ai pas du tout envie d'entrer par la porte d'entrée qu'on nous a donnée. Ok. Visiblement, il n'y a qu'une entrée, ou alors c'est par au-dessus. Non, mais le mec, il est à peine au début du jeu, il veut déjà maroufler dans tous les sens, quoi.
J'aime beaucoup la manière dont le personnage se déplace et court et tout. On est... D'habitude, Bethesda, c'est très raide. Et là, là pour le coup, non. Quel dommage que j'ai pas de jetpack. Ok, les portes étaient ouvertes, en fait. Quelques kits de soins, hein, heureusement. C'est quoi déjà pour les soins? Qu'est-ce que j'avais mis? Ok. Ok, c'est zéro en fait. Ok, d'accord. Ah. C'est descripté! Curious. These are United Colonies markings, but we are in Freestar Collective space. It then stands to reason that this was once a secret UC facility. Reminder, run. Okay. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, des mouchoirs pour se faper, une bouteille de terme, un cube. En vrai, je vais... La fin du monde. Il y a des livres. La Terre d'Avis. Une pyramide. Ah, mais on peut scanner même à l'intérieur des bâtiments, d'accord. Oups. S'il y avait des ennemis, ils m'ont gaulé. Et à mon humble avis, il s'est passé un truc pas net ici. Oh putain de merde! Non, c'est mort. Non, alors ça, non. Ça, je l'ai dit non. Ça, c'est non, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette... Non. Ça, c'est non, mais putain, mais je désinstalle le jeu. Non, mais ça fait 5 minutes que je joue, il y a déjà des trucs horribles. Non, mais regardez-moi cette merde! Vasco, qu'est-ce que c'est? C'est pas possible! Non! Scanne-moi cette merde! Calovert! Nutriments! On prend, mais putain, mais quel enfer! Du coup, il doit y avoir une base de données quelque part. Ventilateur portable. Ok, bon, clairement, si on trouve ça dans les tiroirs, c'est que c'est la merde. En fait, ma santé va pas bien du tout. On va sauvegarder, hein, parce que globalement, s'il y a d'autres trucs comme ça qui doivent me tomber dessus. Des petites sculptures, je ramasse, c'est joli. On ramasse tout, de toute façon, hein, on est un sac à merde. Récipient en terre cuite. Flacon énergétique, échantillon énergétique, ouais, de la drogue, très bien. Des pansements et de la merde, on prend tout. Qu'est-ce que c'est? Un aligneur, je prends, je sais pas ce que c'est. Des crédits sticks, je prends, c'est du fric! C'est du fric! Une seringue, je prends parce qu'on sait jamais, hein, des fois qu'on trouverait pas du crack. Un flacon d'échantillon génétique, très bien. On va éteindre la lampe torche, hein, parce que j'ai entendu un bruit extrêmement effrayant. Ok, le jeu essaie déjà de me... D'accord. Heureusement, il y a un énorme robot avec moi, mais le jeu essaie déjà de me la cloquer façon alien. Ah! C'est une mort parfaitement naturelle, ça. Carnet de notes. Les acides aminés, un calepin, histoire de la xénobiologie. Génial, ouais, d'accord. Un monstre horrible. Du coup, attends, parce que là, l'inventaire. On va prendre des trucs. Donc ça met les notes ici. Histoire de la xénobiologie. Normalement, j'ai trouvé un autre truc. C'était le carnet de notes, je crois, du docteur. Ok, c'est juste de la merde, en fait. Il n'y a pas de... Ok. Ok. Je fais des sauvegardes toutes les 2 secondes, à peu près. Des échantillons médicaux. Mmh.
Bon, clairement, les gens sont morts, hein. Donc, on cherchait des pirates, on trouve des extraterrestres. Hein. C'est bon, ouvre-moi ça. Je sécurise tout ce que je ramasse. Oh merde! Ok, c'est le fight! Il est grand temps d'essayer cette arme-là. Ouh! Gueule. Ah, j'ai plutôt géré, hein. Pas vrai. Bon, qu'est-ce qu'ils ont sur eux? 7,77, synapse alpha et un néon, on s'en fout. Le maelstrom, c'est celle que je tiens actuellement. Ah, mais je sais pourquoi je me suis détecté. J'avais la lampe torche activée. Combinaison de briseur pirate. Casque spatial de briseur pirate, hache de sauvetage. On prend tout. On double tape ces enculés, hein. Je vais voir de quoi j'ai l'air en tenue de pirate. Inventaire. Combinaison de minage. Combinaison de briseur pirate. C'est à peu près pareil. Ah, il y a plus de résistance. Donc on met ça. Et le casque. Casque spatial de briseur pirate. Je préférais celui-là. Je le trouvais beaucoup plus breton. Ok. Le style est avec nous. D'autant plus que on n'est pas tombé sur des aliens, mais sur des gens. Ce qui me rassure énormément. Allez. Des WC. Hein. On lira tout. Je lirai tout. Ok, on avance, on évolue. Allez. Il est très long à recharger, ce flingue. Par contre, j'aimerais bien me voir déséquiper, en fait. Il doit y avoir une touche. Je vais prendre le temps de le faire, après tout. Commande. Non. Raccourci. Attaque secondaire, corps à corps. Ancienne grenade activée. Recharger, rengainer. Scanner portable. Maintenir pour courir. Non, on n'a pas ça. Bon, c'est pas grave. Un orimorphe. Génial. Il y a une saloperie qui se balade. Il a tué tout le monde. Oh man, that was the best. Classic United Colonies. Put something in a cage until it kills you. Quelle horreur. One more time. Ils nourrissent un alien, je crois. Si je me ferais pas avoir. Ok. Ok, d'accord, non mais c'est. Je suis à chier niveau discrétion. Oh putain! Oupsie. Oh, c'est joli. Je ramasse alors qu'il y a clairement des... Il y a clairement des ennemis. Vas-y, Vasco. On fouillera plus tard. J'ai très très envie d'utiliser la hache. Ça marche bien. Ah,
Ok, ça c'est bon. In combat, there is a high likelihood of human death. Waouh. Eh ben t'étais fraise, frérot. Croque pas mon balai. Bon, je pense que là on est tranquille. Donc globalement il se passait quoi ici? Il y a un horrible monstre qui est sorti de ça, qui doit se balader. In combat, Barrett often yells, génial. Pew, pew, pew. Ouais, donc il y a une énorme saloperie qui se balade et globalement... Globalement, c'est la merde. En tout cas, je suis extrêmement satisfait de... du ressenti des armes. Ils en ont du crédit. Des crédits, il y en a. Hein. Putain, très très peur de... Il a de l'uranium. Bon, on reprend. Qu'est-ce que c'est que ça? Projet ménagerie. Ok, donc ça c'est les... Ok, ok, ok... Ça parle d'extraterrestres, victoire. J'ai l'immense satisfaction d'annoncer que nous avons enfin trouvé l'espèce qui en tirera le gros de la division Xenoguerre. Oh mon dieu. Oh l'idée de merde. Les diables ardents, il y a des dépeceurs. Ouais. Bon, ben globalement, on va devoir plinguer pas mal de saloperies, je pense. Cartouche, c'est quoi ça? Un solstice. Pistolet laser. Ça, c'est bien, ça. Ce sera 4. Mais par contre, ouais, ce serait vraiment bien qu'il y ait un truc pour déséquiper, en fait. C'est pas grave. Fais voir. Ah, oh, ça a l'air rigolo. Ça a l'air rigolo. Ah bah salut. T'es nul. De l'eau gazeuse en sachet, bien sûr. Bon, clairement, ici, il y a un truc qui va pas. Il y a clairement une grosse saloperie. Et on me donne beaucoup trop de... Biohazard, ok. On me donne beaucoup trop de soins. Microscope, ok. De soins. C'était... Du poulet, du yaourt et des oranges. Mallette d'armes. Ouh, Equinox. Fusil laser. Cartouche. 3 KV, ok, je prends. Donc, attends, parce que c'est là qu'il va falloir commencer à réfléchir. Techniquement, le Maelstrom, c'est vraiment cool. Je pense qu'on va rester sur ce principe d'avoir un fusil d'assaut. Ce serait pas mal, ouais. Attends, on peut pas faire rotationner les trucs? Je crois que je l'ai vu, ça, dans l'accessibilité. Cliquer et déplacer la souris avec. Bah non. Et voir. Ça marche pas. Ah si, je suis débile. Ok. Très bien. Donc clairement, ils étaient en train d'étudier les saloperies qui m'ont attaqué au début. Hein. C'est de belles saloperies. Et ils comptaient en faire une arme biologique. Quelle bonne idée. Alors, ils ont des crédits, ils ont des merdes. Putain, mais ils ont des crédits, mais la quantité de crédits est juste hallucinante, par contre. Vu tous les cadeaux qu'on me fait, je vais... Vas-y, attends, pareil. Ça va être beaucoup de gestion d'inventaire, je sens. Déchireur, on s'en bat les couilles. Ça, c'est vraiment classe. Hein. Ça, c'est vraiment classe. On va tout tester. Je vais voir un petit peu. Oh. Oh. Ah, par contre, on a très peu de munitions.
Fais voir la gueule que ça. Oh. Oh là là. Notre perso est ultra stylé. Vraiment, pour le coup, ils ont compris les petits détails qui font la diff, je trouve. On va rester sur le... Allez voir comment ça marche ce truc. Reste à terre. Ok, les sensations de combat sont genre mille fois meilleures que dans n'importe quel autre jeu de Bethesda. Handle. Est-ce que c'est un handle? C'est un espèce d'AUG, on dirait. Vas-y, fais voir. Ouais, en fait, on me fait un peu le... D'accord. On me fait découvrir un petit peu toutes les armes, je pense. Ah ouais, c'est un petit fusil d'assaut. C'est pas mal. Alors... Il y a du bordel partout. Il y a des cadavres partout. On a pris le modifié, donc je sais pas ce que ça implique. Sûrement qu'il est meilleur. Un cutter. Non mais clairement, il s'est passé des trucs pas nets. Hein. Il s'est vraiment passé des trucs pas nets dans leur machin. Ouais, par contre, les sensations de combat, c'est juste un délire. Tellement c'est stylé. Ok, les crédits, une toxine, je prends tout. On va être un énorme tas de saloperies. Allez, dépêchons-nous. Ça, ce sera joli dans le vaisseau, tiens. Là. Là, j'ai fait exploser un truc, mais ça a tué personne. Dommage. Wolverine est passé par là. Bon, y a une saloperie en liberté, les gars. Il y a une énorme saloperie en liberté. Je ne suis pas rassuré. Nalinière, boomboxerie de l'eau gazeuse. Ordinateur, c'est super joli. Tablette d'urgence. The Terramorph is loose. We can't stop it. Voilà. When we tried to sync with the neural control interface, it just completely flipped out. Broke through its containment chamber like it was made out of paper. It killed Michelson, Cobb, and Sumatri in all of 1 minute. I'm not even sure where it is now. It took off deeper into the facility. A security detail went in after it, but good friggin' luck. When I know it's safe, I'm going to make a run for the comm relay. Try to call in the cavalry. Super. Feed xenobiologist. Wishing he had gone to dentist school like his parents wanted. Alors, un prédateur alpha adulte, mais c'est génial. Ok. Génial. Je profite de ce petit instant pour aller pisser un coup. Je reviens, petit AFK.
Et re, mes amis. Donc du coup, aujourd'hui nous devons installer l'ISN sur le Remorph, donc en gros ils ont fait une sédation, et le truc s'est enfui, génial. Ah, comment ça marche ça? Ça marche. Est-ce qu'il y a des... Ah putain, c'est la roulette, mais quel débile. Alors attends. Bon déjà, ça sera pas celui-là. Hop là. Attends, c'était ça, je crois. Ok. Maintenant, il y en a deux et je pense que ce sera ceux-là. Et voilà. Après quoi, nous aurons... on va commencer par celui-là, je dirais. Ceci et ceci. Les cartouches sont vécues. Ok, ça, c'est un petit didacticiel obligatoire. Super. Ça va parce que... Oh, elle est jolie. Oh putain. Merde. I'm detecting a safe nearby. We could make use of whatever is inside, provided you had some digipics and a disregard for personal property rights. Globalement, ouais, j'en ai rien à foutre. Hein, je vous dis. Oh, putain de merde! Clairement, la saloperie, elle s'est reproduite. Je dirais que c'est ce qui s'est passé. Le scientifique, il a rien sur lui pour une fois. Il y a des bruits beaucoup trop suspects. Beaucoup trop de kits de soins. Je vais voir un petit peu. C'est quoi que j'ai ramassé? Un sac, je crois. Nouveaux objets. Bon, tout ça, c'est de la merde. La plaque en métal, je pense qu'on peut la jeter. Hein. Un peu 30 contre 34, c'est le même visuellement. D'accord, ok. Here we go.
Oh, lui, il en a un, je crois. Je crois que lui, son sac à dos, c'était genre un sac à dos. Oh, putain. Ah, ils sont là, ok. Mais la créature, elle est où? Je vais me faire mal. Dû les flinguer. Ah, j'ai plus de mun. Reviens. Ok, ben ça s'est plutôt bien passé. Bon, par contre, du coup, il y a une énorme saloperie quelque part. Hein. Je vais déjà scanner celui-là. Il y a une énorme saloperie quelque part, et globalement, est-ce que j'ai très envie d'aller chasser cette monstruosité? Je ne suis pas sûr. Par contre, on va de suite tester Non, pas ça. On va de suite tester le jetpack, les gars. Le jetpack. Donc, j'imagine. Ok, d'accord, ça marche comme ça. Ok, c'est un double saut pour l'instant. C'est pas un truc très... C'est pas mal, mais ça reste un truc très simple. Donc en gros, là on voit le vaisseau, et normalement on peut se TP au vaisseau, ça c'est vraiment cool. Tac, voyager rapidement, oui. Oh là, il va falloir que je fasse notre café. Pour atteindre la lodge, nous devons jumper à la planète Jemison dans le Alpha Centauri System. And then land in the city of New Atlantis. Ah ben c'est parti, hein. Do not worry, this will all become second nature before too long. Il est 9h10, ça fait actuellement pratiquement 2h que je joue, le fun est là. Le fun est là. Le fun est réel. La vraie question après, c'est est-ce que si je regarde ça, nice. Ok, donc on peut atterrir comme ça. Je vois, ça passe entre deux modes de visée. C'est bien. Ok, allez, on va mettre le cap sur Jameson. Ouais. Est-ce que ça marche?
si je fais genre mettre le cap. Tab, ça va effacer la route. Du coup, ok. La vraie question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut le faire de manière. Oui, je crois que vous pouvez. Par exemple, j'oriente le vaisseau vers là. Alpha du Centaure, on voit. Oh putain, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Et on va descendre. Et là, une fois qu'on a visé Alpha du Centaure, est-ce qu'on peut s'y déplacer directement? Non, ça, ça m'a sorti. Ok. Bon, c'est ultra stylé, hein, on va pas se mentir, c'est ultra stylé. Qu'est-ce qu'il disait d'ailleurs l'autre You know the drill, Vasco. Protocol Indigo means no deviations, no distractions, no dalliances, in short, no fun. Unless, as strictly defined by Sarah, said deviations, distractions, and dalliances are completely necessary in getting this fine vessel, the Discovery-class Starship Frontier, back home in one piece. I guess I'm still technically borrowing it from Constellation. Even if I have no intention of actually giving it back. Okay. Je crois qu'il y avait un autre il y avait une autre tablette personnelle. Là voilà. Oh, I'd kill for some chunks right now. First stop when I get home. But I really need to get better about packing snacks for these long hauls. Some rhubarb boom pop. Maybe some cereal. Irvin always made the best trail mix. Added in little marshmallows for stars. I miss that. En fait, depuis tout à l'heure, ce que je cherche, en réalité, c'est un endroit où poser ma merde. Mais j'imagine que c'est plutôt dans la soute. Or la soute... Ah, il y avait un bouton là. J'ai vu un bouton apparaître. Ça c'est le docking, ok, ça c'est la landing bay. Il y a forcément un bouton par là, forcément un truc. Ouh, c'est pas la grande forme en tout cas. Est-ce qu'on peut dormir dans les couchettes, tiens, puisque je peux pas... Oui, on peut. On va lui taper 8 heures de sommeil, hein. On peut chier un coup. Qu'est-ce qu'il dit, Barrett, dans les chiottes? Well, hey there, irate pirates. Looks like you finally did it. Boarded my ship, scrapped my bot, ripped those beautiful brown eyes out of my adorably cherubic face. And then you discovered the guy you had pegged as a treasure hunter doesn't actually have any treasure. Not anymore. It's true. I may have had a pricey trinket or two when I evaded your sorry asses at Kumazi, but brother had to buy fuel. So you get nothing, except my ghost. Cause I am gonna haunt your asses till the end of your days. Which, for a Crimson Fleet pirate, is about, what, another week? Nice, okay. Et là, par exemple, si je dois enlever mon casque et tout, normalement, il y a de l'oxygène ici. Enlever là, si je veux vraiment rien mettre. D'accord.
Ça, c'est genre un casque, mais ok. D'accord, donc il y a bien une tenue de dessus, une tenue de dessus, très bien. On a mis une tenue civile. On va manger un truc, tiens. Je découvre, hein, je découvre. Hop là, soin. Hop, un boom bop réglisse. Un peu de chocolat, on est pas mal. Petite sauvegarde et on décolle. Alors à savoir que si je me fais attaquer là, si je me fais attaquer comme une merde depuis mon vaisseau spatial, j'ai pas de tenue. C'est vraiment la même merde en fait, les tenues. On va remettre, je sais pas pourquoi là, ça m'angoisse. Il y a une meilleure résistance avec ce casque. Allez. Tout ça, c'est qu'une question de... C'est une question d'habitude. Son attente, alimenter l'astromoteur. C'est quoi l'astromoteur? Ah oui, d'accord. C'est ça. Vas-y, enlève-moi du balistique. Et moi de l'astromoteur. Petite plissure de l'espace-temps. Starship Frontier, this is United Colonies Security. Maintain course and prepare to be scanned. Scan complete. No contraband detected. Are cleared for landing at New Atlantis. Nice. Stormrider. Ok, on voit le nom de tous les vaisseaux qui passent et tout. C'est incroyable. Okay, d'accord. Donc il y a des avant-postes et nous on doit aller à New Atlantis. On peut y atterrir directement comme ça. C'est ce qu'on va faire. On pourra peut-être lui enlever le casque au moins ici, je pense. On va lui mettre la petite casquette. On lui a vraiment toujours tout ce qu'il met dans son vaisseau là. Casque rien équipé. Ça doit être dans les trucs rigolos. C'est ça, ok. Dans un truc. D'accord, donc ça considère vraiment que t'es à l'extérieur. Captain, Constellation will be waiting for you at the lodge. Ok. Salut. And here's our new captain. My crew can take a look at your ship, and you can stop by the Trade Authority kiosk if you need to offload some cargo.
Cool. Cool. J'ai pas l'impression que le vaisseau ait besoin d'être réparé. Everything looks good here. I'll be at my booth if you need me. Merveilleux. Oui, attends. Je viens de réaliser. On a des compétences. Donc alors attends. Science, qu'est-ce que ça... on va tout regarder. Désolé, c'est la découverte, hein, les amis. Hein. C'est la découverte. Box, c'est les attaques à main nue. Franchement, c'est un truc qui me file bien envie. Alors, dans le combat pour l'instant, on est plutôt sur du balistique. Est-ce que ça marche comme ça, en gros, tu mets un point et c'est bon? Ah oui, d'accord, c'est les... en gros, c'est ton starter. Je vois, ok. Du coup, attends, ça veut dire que jetpack, je l'ai déjà. 1 sur 4, ok. 10 en jetpack en combat, ok. Moins de carburant, plus rapidement, ok. Et double les bonus précédents. Ah ouais. Pas mal. Je découvre, hein. Ça, ça va être un must aussi. Mais alors ça, c'était trop bien. Et en même temps, c'est dommage qu'on puisse pas le mettre en favori. Mais à mon avis, il y aura moyen de le faire. On va le mettre. 20 ennemis à main nue, faut tuer les ennemis à main nue, très bien. Et le prochain point, je le remettrai dans le jetpack, je pense, pour pouvoir avoir plus de carburant. J'avais très peur que cette ville présente trop peu de FPS, mais en fait, non, ça a l'air d'aller. Vraiment sur la ville du futur. Oh, alors. Ça me donne envie d'enlever le FSR juste pour voir, juste pour tester. C'est pas ouf, hein, le FSR, on est d'accord. Alors forcément, on tombe un peu en FPS. Mais ça reste jouable, hein. C'est incroyable. On va le remettre. Fous-moi ultra, s'il te plaît. Voilà. On va faire une vraie sauvegarde aussi. Allez hop. Ça fait penser à Star Citizen un petit peu. This is New Atlantis Transit, or the NAT. It provides free transportation throughout the city. We can take it directly to the Mast District. Vas-y, hein. Passez-vous souvent dans le quartier des nuées? The Lodge is here in the city. We shouldn't keep Constellation waiting. I wonder if I'll miss New Atlantis when
when I leave? No. The water is quite aesthetically pleasing, or so Barrett has told me. New Atlantis relies on advanced hydroelectrics for most of its power. Les bruines. We may be in a United Colonies city, but Constellation is an entirely neutral entity, and always has been. Ok, intéressant. Je pourrais passer la secours. Here we are, the lodge. The front door should unlock if you hold up the watch that Barrett gave you. I have messaged the other members of Constellation. On va peut-être enlever la combinaison. On va mettre ça. Je vois pas l'intérêt d'avoir une space suit. They will be waiting for us inside. Par contre, le flingage des textures version. Enfin, la pilosité qui se barre en couille comme ça là, je déteste. Je sais pas si c'est à cause du. Justement du FSR, c'est très probable. Hein. On va s'amuser encore à le changer. Ouais, je suis un mec insupportable. Je vais voir si c'est ça. Non, même pas. À mon avis, c'est le truc des textures. Alors, j'avais un petit peu... on va remettre l'interface à 100, en fait. Ok, allons-y. Ah, d'accord, c'est une porte qui me permet de rentrer. Je vois... Captain, everyone will be in the library, just inside. If Barrett were here, he'd probably tell you that you're part of something bigger now, and he hopes you'll make this place your home. Ok, on va voir, hein. Bonjour. What I'm suggesting is so outlandish. All the phenomena we see out. We appear to have a visitor. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. Would you care to tell us what happened to our friend? Why you're here and he isn't? Tout simplement, les pirates ont attaqué et Barrett m'a demandé de vous apporter l'artefact, voilà. I see. Vasco, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining outfit. Un grouillot. Walter. If we had insisted on installing those emergency protocols, I guarantee you this rock breaker here would be halfway to Neon. But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Mateo. Oui, je l'aime bien. Now, let's focus on what's in front of us, shall we? What happened when it was extracted? Did anyone see anything? Hear anything? Il y a eu des lumières brillantes et de la musique et voilà. Globalement, j'étais dans les vapes. Interesting. Similar to Barrett's description of the experience, with less embellishment. Are you hearing this? Do you all believe? Hop, attends. Option jouabilité. Accessibilité. Non plus audio.
English. Allez, on va tenter, on va voir. Parce que c'est bon, aussi bien le doublage est bon. Hein. On va essayer. La réalité de l'événement n'est pas en doute. Mais honnêtement, Catri, si vous pensez que nous allons croire à vos contes... Si c'est le plus grand mystère de l'univers, pourquoi ne pourrait-il pas être lié au mystère ultime? Messieurs, concentrez-vous. Je crois qu'il est temps de mettre votre théorie à l'épreuve, Noël. Très bien. Alors, on sait que les artefacts réagissent entre eux. Les éléments en notre possession bougent lorsqu'on les rapproche. Si on ajoute celui-ci aux deux qu'on a déjà... Si vous voulez bien placer l'artefact ici, sur la table... Non ! Au revoir ! Oh le con. Allez. C'est ça. Exactement comme les autres. Et dire qu'on pensait qu'il n'y en avait que deux au départ. Oh, c'est ça. Ils réagissent. Regardez comme les pièces s'emboîtent. Bon, globalement, c'est pas humain. Cette énergie qui les relie, aucun matériau connu dans les systèmes occupés ne peut produire une telle réaction. Sap du calme. Respirez. Vous allez avoir une attaque. C'est un ange de la Bible, le machin. S'il s'imbrique, cela signifie qu'il y en a d'autres. Créé par une intelligence étrangère au système occupé. Alors, Catri, toujours 2000 crédits pour notre petit pari? Et comment, Walter? Ça ne serait pas très intéressant si nous avions toutes les réponses. Loin de moi l'idée de pourrir l'ambiance, mais qu'allons-nous faire de notre émissaire? Vous avez envie de vous mettre au travail? De découvrir si l'exploration est la vie que vous voulez mener dans notre petit univers? Eh bien... Vous voulez que je rejoigne Constellation? Ça implique quoi? Nous sommes ici parce que nous avons juré d'explorer l'espace. L'humanité a beau avoir colonisé les étoiles, ça ne veut pas dire que nous devons arrêter de sonder l'inconnu. On va repasser le jeu en anglais parce que la synchro est bien en français. On attend de vous que vous fassiez preuve de bon sens, comme nous tous. Même si le doublage est bon. C'est dommage. Bah d'accord, hein. Mais que savez-vous des artefacts? Individuellement, ce sont de simples bouts de métal. Une étrangeté parmi d'autres dans les étendues de l'espace. Quant à savoir ce qu'ils sont, ce qu'ils permettent d'obtenir, vous allez pouvoir nous aider. Ok. Pourquoi pas? C'est toujours mieux que miner des trucs. Prenez le temps de vous installer. Apprenez à connaître les autres. Certains membres ne sont pas présents, mais vous les rencontrerez tôt ou tard. Venez me trouver quand vous voudrez partir. Nous allons voyager un peu ensemble, que je puisse vous voir en action. Ah, et tenez. C'est la moindre des choses pour vous remercier d'avoir apporté cet artefact. En plus des crédits, qu'est-ce que vous diriez d'un sac à dos pourvu d'un jetpack? Vous en aurez besoin sur le terrain, de toute façon. Mais faites attention à votre tête. Oh, 8000 crédits! Ah, ça y est! Ça commence à payer, ces aventures! Bon, si on doit se mettre à l'aise, on va se mettre à l'aise, les gars. Ah, je suis bien! Ah, on est pas mal! Allez! En slibar. Donc, attends, on va remettre... Mec d'entrée de jeu, on va remettre la synchro labiale. On va remettre en anglais pour que la synchro labiale soit propre. Sûrement qu'il y aura une mise à jour Day One qui corrigera ça. C'est pas vraiment un bug, hein. C'est juste que c'est pas ouf. Hein. Bon, globalement, tenu. Guide de constellation. Réduit de façon permanente les dégâts de chute. Ça prend, ça part. Non, on va se rhabiller parce que quand même. Voilà. Alors, du coup, on peut parler un petit peu à tout le monde, on peut explorer. Ok. Bon, déjà, j'aime bien le côté un peu baroque de l'endroit. Il y a l'air d'y avoir des images de gens importants. Horloge sous-marine antique, ok. Des bouquins, des... Oh ! Les gars, la ref ! C'est la Calypso ! Si c'est pas la Calypso, ça devrait être marqué. Si
c'est des explorateurs, il doit y avoir un commandant Cousteau quelque part. Hein. Moi, je cherche. I am at your service, Captain. J'ai vu qu'il y avait un truc là-haut. Bonjour. New Atlantis, ok, ça c'est pour sortir. Et ça c'est pour monter, c'était ce que je cherchais, super. Ça c'est pour... Ok d'accord, ça c'est des chambres. Ok, ça a l'air gigantesque ici. Le mec il commence à fouiller dans tous les trucs quoi. Le mec il n'a absolument aucun respect de rien. En tout cas c'est très joli ici. Hein. C'est très très joli. Verre à whisky, on peut boire un coup si on veut. Il y a de quoi cuisiner. Poste de cuisine. C'est... Ah mais alors attends, je suis en surcharge. Ah là là. Je suis en surcharge. Bon c'est pas grave. Hein. On devrait pouvoir se débrouiller. C'est juste qu'on est vite... On est plus vite essoufflé visiblement. Ok. Moi je l'explore, hein. Je suis pas là pour. Hein? Bien. Inaccessible. Oh. Je crois avoir compris comment allait fonctionner le système de stockage du jeu. C'est-à-dire qu'à mon avis, on va devoir jeter les trucs. Il n'y aura pas tellement de contenants. Ok, des laboratoires. Le mec, il a un laboratoire quand même dans sa chambre. Clairement, c'est les chambres de tous les personnages. Ce serait vraiment bien qu'il y ait une touche pour déséquiper en fait. Bethesda, putain. Excellent. Excellent. Oh putain mais... Oh c'est du génie ça. En fait c'est dommage que rappeler sur la touche déséquipe pas. Excusez-moi. Ah. Bon. Alors déjà lui, ça a l'air un peu patron. Occasionally had my doubts about Constellation as an investment. Ok, c'est l'investisseur. Now, well, it's clearly money well spent. Well, I suppose calling you a rock breaker may have been a bit out of line. Moi, j'ai déjà entendu pire. Still doesn't excuse it. My frustrations lie more with Barrett. Not the first time his shenanigans have jeopardized one of our ventures. Les shenanigans? Not fair of me to take it out on you, especially since it would seem he made the right call this time. So, let's start over, shall we? Walter Stroud, CEO of Stroud Eklund, member of Constellation, and oft-times grumpy old man. Welcome aboard. J'aime bien. C'est un plaisir. By the way, in addition to a place to stay, the lodge has a wealth of modification and research equipment. Spacesuit customization, pharmaceutical manufacturing, testing alien substances, the whole thing. You can even fashion industrial pieces for large-scale projects, if you don't mind extracting a few raw resources from a nearby planet, that is. I'm a fan of self-reliance, so I encourage you to make use of the tools we have to build what you need. Ok. Bon, lui, clairement, là le truc, c'est son rôle, c'est être le PDG. Hein. Vous pensez que la vision que j'ai eue veut dire quelque chose? Quel genre d'entreprise est Stroud Eklund? Voilà, ça c'est... The most well-known for ship manufacture. No expense spared. If you want the best and can afford it, you choose Stroud Eklund. Unfortunately, our success means you'll sometimes see Stroud Eklund ship modules on
Less than reputable vessels, they covet them. The bastards. I've tried to convince the United Colonies we can help in that regard, but they're married to Deimos Staryards, and those old salts are stuck in the glory days. D'accord, ok. Bon, qu'est-ce que tu penses de la vision, tiens? Up until very recently, I'd likely have dismissed it as, I don't know, hallucinations. But now, I'm not sure what to think. I don't suppose you have a history of this sort of thing, do you? Pas du tout. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été en parfaite santé. On peut répondre des trucs un peu débiles, ok. C'est parti. I'll take your word on that. I'm no scientist. I leave that to the likes of Barrett and young Noel there. But I think we can all agree there's something unusual going on here. Ah oui, ça c'est clair. Frankly, this is the most exciting thing that's happened in years. Ok, bon, je me vois pas lui... je me vois pas lui poser des questions en mode PDG là. Bon, elle va me suivre. Elle, c'est la scientifique du coup. As much as I love uncovering new questions, I wouldn't mind a few answers now and then. That was intense, wasn't it? The artifacts, I mean. Sorry, this must all be a little overwhelming for you right now. I guess a lot overwhelming, now that I think about it. I'm Noelle. It's really nice to meet you. And thank you for bringing the artifact to us. Avec plaisir. Sarah, putain, yes. You don't fool me for a moment, Walter. You love it and you know it. Bon, toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton avis scientifique? Oh, right, that. If we're approaching this rationally, I suppose we'd call them visual and auditory hallucinations. What you perceived as lights and music could be overloaded neural input, your brain's attempt to make sense of something, an energy surge, some other phenomenon. Ok. Clairement, bon, ça avait l'air de vouloir dire quelque chose. Hein. Sure, I'm not trying to suggest otherwise. I wasn't there when it happened. I'm just thinking it through. That's okay. Now that this has happened to both you and Barrett, we can know to maybe expect it in the future. Be a little more prepared. Okay. We're all in this together now, right? Sarah parlait d'un endroit où je pourrais crécher. Planning on sticking around then? Good. I think we can find a spot for you. And along the way, I can give you the very abbreviated tour. Ah bah oui, oui, j'ai ouvert toutes les portes, mais vas-y. So you've seen the library, obviously. Walter's quite proud of the collection, but Matteo has made more than a few contributions. Gardens are out the doors there, if you need a moment stolen of quiet contemplation. Emphasis on the quiet part. At least you really aren't gonna let it go, are you? Let's head upstairs. I'm so busy with our Sebastian work. Banks, Constellation's founder, had this place built decades ago. Well, to believe that. It was a big to-do at the time, but most people in the city have forgotten we're here. Ah, je peux passer par là, d'ailleurs. Bon, on va la suivre. So this is the bar, usually no tender, so help yourself, within reason, of course. Now let's see about that room. You're in luck. We were almost at max occupancy already, but there's still one room up for grabs. It's been nice having the place so full. Si on va droit devant et que ma chambre fait une petite en face, je suis un peu triste. Mais allez, on y croit, on y croit. Okay, this will be you. Common room on one side, so that'll be quiet, and Matteo on the other side, so maybe a little less quiet. I'm sure Sarah has something planned for each of us, so I'd better get back to it. Don't want to keep her waiting too long. Enjoy. C'est cool, merci.
Donc c'est ma piole ici. C'est ma piole. Il y a Moby Dick, putain les références. Une bouteille exotique. Un seau à champagne, un verre à martini. Une plante, un cadre de bureau numérique. Un stockage. Oh oui, on va pouvoir poser de la merde. Il y a des succulentes. C'est génial, donc on a quand même notre petit coin dans la zone, ça c'est chouette. Hein. Ok, donc ça c'est la porte du couloir, très bien. Super, on peut dormir ici, il n'y a pas de soucis. Ok, les grandes espérances. Okay. Bon, on va poser des merdes. Transfert. Alors, on va poser des merdes. Alors, déjà, ça, je pense pas utiliser ça. On le garde. Tout ça, on garde. Ah, bah tiens, là, j'en ai chopé 12 millions à peu près. Celle-là, par contre, elle va partir en. On le fera après. Le Grendel modifié. On va garder celui-là. Ok, on est pas mal. Ensuite, dans les sacs, ça doit peser lourd ça. On va garder juste celui-là. Je crois que ça a vraiment énormément de saloperies en fait. Dans les casques, pareil, on va. Pour l'instant, on va rester en mode. Constellation, les tenues, pareil, ça, on va déposer. Casquette chunks, on va la garder. Ça dégage. Les munitions, il faut tout garder, je pense. Les ressources, on les posera. Le divers, c'est peut-être ça qu'il va falloir dégager ou vendre. Déjà, à mon avis, on aurait pu être en surcharge. C'est pas plus mal. Voyons voir les missions que nous avons. Activité, constellation. Terminer un projet de recherche, fabriquer ou modifier un objet. On va, tiens, pour la peine, on va faire ça. Tiens. Donc, ma chambre est ici. Fabriquer alors. Est-ce que ça compte? J'ai fabriqué une attelle. Ouais. Et un projet de recherche. C'est pas très gentil de laisser les portes ouvertes. Ça c'est les WC. Non, on peut s'asseoir sur les WC du vaisseau mais pas les autres. Aïe aïe aïe. Il y avait clairement un autre truc pour fabriquer des choses. Ouais, ça donne très très envie d'explorer absolument tout. Je suis désolé. En même temps, j'ai payé le jeu. Il y avait quelqu'un qui avait quelque chose dans sa chambre qui permettait de fabriquer des objets, il me semble. Est-ce que tu peux me guider mission pour activité ? Ah ah! Non. Pharmaceutique toujours.
fric, moi j'en ai rien à foutre. Hein. Bon les gars. Ok. Les gars, on n'est pas là pour être là. Hein. Ah mais c'est là. Ils ont mis leur truc pour fabriquer les objets. Ah non, attends, ça c'est un poste de cuisine. Et moi, la mission que j'ai, c'est améliorer un objet, je crois. Un projet de recherche. C'est quoi un projet de recherche? De l'alien séché. Mmh. Horrible. Non mais il doit y avoir un objet, un truc pour fabriquer des objets. Il disait qu'il y avait tout là. Là il y avait la cuisine. On va trouver. À mon avis ce sera beaucoup plus facile depuis le vaisseau. Hein. C'est pas bien grave. Ce n'est pas bien grave. I hope you are satisfied with the quarters available to you. What? Captain, now that you are a member of Constellation, I am at your service. No additional protocols necessary. Also, given the likelihood that you will be out in unsettled space, it might be beneficial to go over exploration outpost development. In case you ever need to build a base for field research. Ok, d'accord. Ok, bon, je note ce que tu m'as dit. Très clairement. Ensuite, on a... tiens, je voulais aller explorer là-bas, tiens. Oula! Ah, mais c'est là! Ah, c'est ici. Et salut, Sera. Il est tôt, il est tôt. Il est 9h54, j'ai commencé, il était 7h, je crois, un truc comme ça. Établi de combinaison spatiale. Donc, admettons... jetpack puissant, basique... Ok. Vas-y, on va mettre ça comme ça, tant pis, c'est pas grave. Ah, ça y est, je viens de comprendre. Ok, ça c'est vraiment la fabrication, les armures et tout. Ouais, mec, c'est génial. Hein, c'est juste génial. Franchement, c'est un régal. Établi industriel. Alors, peut-être que c'est plutôt là. D'accord. Admettons que je fabrique un câble. Ok, c'était pas ça. Alors, la combinaison spatiale, on a regardé. L'établi d'armes, ça va être les boîtes d'armes. Celui que j'utilise le plus pour l'instant, c'est celui-là. Voilà, alors, changer, c'est aussi... Ok. J'ai bien fait d'aller... j'ai bien fait de venir ici, en fait. Mais alors par contre, un projet de recherche, ça consiste en quoi? Laboratoire de recherche, ben voilà, ben tiens donc. Donc ça, c'est bon, j'ai regardé ce que c'était, ça c'est la cuisine. Ça c'est les tableaux de mission de Constellation Gazeux Examen. Ok, on peut faire des trucs.
Oh, c'est génial. En gros, on reçoit des missions ici, on les fait pour le compte de Constellation. Ok, génial. J'ai ramassé les toxines, tout va bien. Il y a un enfant ici. Il y a un enfant qui habite ici. Une surprise dans le jeu, si oui, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme surprise dans le jeu pour l'instant? Le système de combat, vraiment, par rapport aux autres jeux Bethesda, je trouve que c'est 10 fois plus nerveux, dynamique, tu vois. Moi qui suis un gros joueur de Skyrim et Fallout, je trouve que le combat, si tu veux, et la manière dont ton personnage se déplace dans l'espace, se met à couvert, etc., c'est beaucoup plus... Ça fait penser à Doom un peu. Et donc du coup c'est beaucoup plus dynamique, tu vois, c'est... Le mode photo aussi, j'ai été agréablement surpris. La PO est vraiment cool. Visuellement, alors visuellement je trouve que c'est très inégal. Je trouve qu'il y a des trucs qui claquent, il y a des trucs c'est dégueulasse. Mais ça après bon voilà, c'est Bethesda, hein, ils sont inégaux. Mec, il y a de la cuisine dans le jeu, genre tu peux cuisiner de l'extraterrestre, etc. Au bout de 5 minutes de jeu, je me faisais déjà attaquer par des aliens horribles, j'avais envie de crever. Non, franchement, c'est génial. Je le lâche pas depuis ce matin, de toute façon. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on peut faire comme projet? Mode de casque. Cosmétique ou polymorphe? Ah, génial, il y a de la polymorphie, c'est génial. Et pour les armes, on peut créer des modes de crosse et de poignée. Il y a du housing, enfin bref, c'est... Non, franchement, c'est incroyable. C'est ultra complet. C'est un jeu auquel on va jouer pendant des années, à mon avis. Ça m'étonnerait pas du tout. Tungsten. Ok, donc ça, c'est le système de craft, en fait. Je vais bosser, je reste en lurk. Courage pour le boulot, mec. T'es adorable. Installer un avant-poste sur une planète. Ah oui, d'accord. On va peut-être repartir sur la mission de base. Et parler... ouais, surtout parler au personnage. Ah, c'est fou. Franchement, me tarde de tout découvrir là, ça a vraiment l'air exceptionnel. Oh, il y a une serre ici. C'est bon. Voyons voir. I know everyone's excited by the artifact. Are you doing okay? I'm not sure anyone really asked yet. Don't want you to think we're focused on the artifacts and nothing else. You matter too. You've done something really significant bringing that artifact here. I'm Mateo, theological scholar by trade, but now, well, an explorer like you. It's really good to have you with us. Est-ce que... Ah tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce que ces artefacts proviennent tous de grottes? Second one was on Kazaa, buried the same as the one you found. Okay. But the first one, right under our noses for years, sitting in storage, masquerading as an oversized paperweight. Can you imagine potentially the greatest discovery in human history collecting dust? Ok, et du coup, qu'est-ce que vous pensez de la vision que j'ai eue? I'm not gonna lie, I really wish I could have seen this for myself. It's hard to judge otherwise. Both you and Barrett saw something. I don't think that's a coincidence. Did it feel like it was trying to tell you something? I don't want to necessarily use the words divine revelation, but... You know, if the label fits...
Est-ce que vous pensez que c'était une expérience religieuse? Not necessarily, no. But it does kind of have the hallmarks of one, doesn't it? I'm certainly not going to rule it out just yet. En tout cas, je sais que c'est important. It has to be, right? All of this is connected. We just need to figure out how and why. We're going to get to the bottom of this. We just need more data, which means more artifacts. Okay. Bon, et sinon, qu'est-ce qui t'a fait venir, toi? Well, there was some overlap in interests. I'd spent years searching for religious relics from human history. I had made a really incredible discovery, only to lose it to a greedy corporation. So I tried to steal it back. In the process, I met Walter. Turned out he owned the corporation. After a long talk, we realized we had a lot in common. And I was invited to join Constellation. Okay. Bon. Take care of yourself. Tous les persos d'ici sont extrêmement sympathiques, en tout cas. Lately, I find myself spending more and more time here. Business has appealed to me, but this is exciting. Ok, alors, on va faire une petite sauvegarde. Je vais profiter... je vais profiter de ce petit temps de repos ici, là, pour aller faire une pause. On fera un épisode de bientôt parce que sinon ça va être beaucoup trop long. C'était super en tout cas, première expérience sur Starfield, juste incroyable les gars. Honnêtement, excellent jeu. Moi je pense qu'on va se régaler. Je vois déjà un peu où sont les limites. J'ai l'impression, alors peut-être que le jeu va les briser à un moment donné, je sais pas, mais on est à la fois sur un terrain connu et sur des trucs extraordinaires, donc non, let's go. Je coupe le stream et